Coucou les papoteuses, coucou les papoteurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors, tout d'abord, je m'excuse auprès de vous, abonnés et non abonnés, anciens et nouveaux, de mon absence. Mais comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, dans celle d'avant, celle où qui s'appelle « Remerciements à la Manouchka », j'avais pas trop le moral, bon, c'était rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, j'avais pas trop le moral. Et puis ces derniers temps, il y a eu quelques petits bouleversements des choses de la vie. Hein, voilà, dans mon petit cocon parfait. Et donc du coup, voilà, je me suis un petit peu éloignée de vous. Je suivais, j'étais toujours en train de regarder vos vidéos. À commenter les vidéos des chaînes que je suis abonnée, même non abonnée, mais moi-même un petit peu absente, donc déjà je m'excuse. Pareil pour les nouveaux abonnés aussi, j'ai pas eu le temps de vous répondre. C'est vraiment un manque de temps parce que voilà, j'ai eu beaucoup de travail et comme vous pouvez voir ma superbe mine, j'étais un petit peu malade. Et puis, il y a tellement de papoteuses et de papoteurs qui nous rejoignent que j'arrive plus à suivre pour les remerciements. Parce que bon, j'essaye toujours de vous mettre un petit mot personnel. Il me reste encore des abonnements à qui je dois répondre. Donc ne vous inquiétez pas, mais le cœur y est. En tout cas, je profite de cette vidéo pour remercier tout le monde. Je ne sais même pas combien on est maintenant, mais voilà, je vous remercie de tout cœur. Donc ça, c'était le premier, deuxième point, on va dire. Donc le premier excuse, le deuxième remerciement. Et le troisième point, qui est l'objet de cette vidéo. En fait, comme vous pouvez voir, le titre, c'est « Les trouvailles de Manzel Sapote ». Alors pourquoi les trouvailles de Manzel Sapote? Tout simplement parce que en fait je suis une vraie chineuse. Voilà. J'aime aller dans les boutiques qui sont dans les petites rues. J'aime pousser les portes. Quitte à ne rien trouver, hein, c'est pas grave. Mais j'aime regarder et tout. Alors, par contre, je ne vais pas dans les souks, hein, les trucs où il faut soulever, machin, il y a plein de trucs dans une malle, dans une caisse. Non, par contre, je ne suis pas patiente. Il faut quand même que ce soit un minimum rangé, mais il faut que ça m'attire. Voilà, il faut que j'ai le coup de cœur. Et donc, pour celles qui le savent, en tout cas, je pense que vous le savez toutes maintenant, donc moi, je suis en région parisienne. Et j'aime beaucoup traîner sur Paris ou dans ma ville où je suis. Et je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Trois fois rien à Oberkampf. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je sais qu'il y en a une aussi, métro Vaugirard, je crois, Vaugirard volontaire. Et en fait, ce sont des bazars. On trouve toujours plein de choses. C'est assez différent. C'est voilà. Et donc, ma dernière trouvaille a été ceci. Donc voilà, c'est un petit présentoir à bijoux. Donc il y a deux rangs en fait avec des trous. Ici c'est des crochets. Et moi j'ai même optimisé l'arrière où j'ai mis mes boucles d'oreilles qui sont assez longues. Voilà. Alors pourquoi je vous montre tout ceci? Vous allez me dire ouais, c'est un présentoir à bijoux. Il n'y a rien de magnifique quoi. On connaît toutes. Tout simplement parce que ce présentoir à bijoux, je l'ai payé 2,90€. Voilà. Tout simplement. Et en fait, j'étais à deux doigts de m'acheter un présentoir à bijoux sur le site Le Manège à bijoux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Et les présentoirs sont quand même à un certain prix quand même. Hein? Voilà. Et donc, sur celui-là, donc comme je vous ai dit, j'ai deux rangées de trous. Et j'ai des crochets. Donc sur chaque donc les crochets, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 crochets. Et les trous, je crois que c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12. Donc
Ici, je peux mettre 12 paires sur les rangs, puisque si j'ai 12 trous, donc là, je peux mettre que 6 paires. Dessus, bah, après, vous optimisez. Sur les crochets, pour l'instant, j'en ai mis qu'une paire. Mais après, je pense que j'en rajouterai d'autres. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'en ai acheté deux. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente, les deux. Et voilà. Donc je suis vraiment très contente de cet achat. Parce qu'en fait, avant, toutes mes boucles d'oreilles, je les avais mises sur un fil. Et les autres, je les avais accrochées sur un truc comme ça. Sauf que vraiment, j'en avais trop. Donc là, du coup, j'ai laissé que les choses vraiment très longues. Comme vous voyez, les créoles de couleur, des choses comme ça. J'ai une paire de boucles en plume que j'ai acheté qui est vraiment très longue. Et sinon, j'ai rangé toutes mes boucles d'oreilles comme ça, là. Les boucles d'oreilles en fil. J'ai mis dans un petit sac que j'accroche. Comme ça, c'est plus pratique. Ouais. Et voilà. Donc, ma petite dame a trouvé de la compagnie. Et je suis vraiment contente de cette petite trouvaille. Donc, j'ai voulu la partager avec vous parce que souvent, je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, quand on s'intéresse à ses cheveux, on commence à aimer les accessoires et tout ça. Bon, moi, j'ai toujours aimé les accessoires parce que j'ai une maman qui est très accessoire. Donc, je pense que comme Obélix, je suis tombée dans la potion quand j'étais petite. Mais voilà, je commence à en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même là, je suis en train d'essayer de trouver comment je pourrais accrocher mes bracelets parce que j'en ai trop. J'ai une petite boîte et il y en a trop. Donc je sais pas. Je crois que je vais peut-être passer à la boîte à chaussures, peut-être. Mais mon problème, c'est que je ne jette pas mes boîtes à chaussures. Je garde mes chaussures dans leur boîte. Donc voilà. Bon bref, voilà, donc ça c'était ma petite trouvaille du jour, donc les portants pour boucles d'oreilles. Donc j'espère que si jamais vous devez aller aux Trois Pharions d'Oberkampf, donc il est très facile à trouver, vous prenez la sortie Oberkampf, en fait, vous prenez l'escalier, tac, vous faites demi-tour et vous remontez. Vous n'allez pas vers la place de la République, vous remontez comme si vous alliez au Bataclan, voilà. Donc celles qui connaissent, vous allez pouvoir vous repérer. Et puis celles qui connaissent pas, vous demandez. Voilà. Et puis peut-être que vous allez me croiser. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite trouvaille vous aura aidé. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Petite chose que j'avais oublié de vous dire. Donc ça, c'est ma petite astuce. En fait, comme par exemple ici, j'ai des boucles d'oreilles en fait qui sont très grandes et qui cachent les trous en fait qui sont ici. Donc en fait, j'alterne et je mets mes boucles qui sont plus courtes derrière. Comme ça, c'est plus facile, vous voyez, à attraper. Pour les attraper, je les attrape directement et celles de devant, je les attrape comme ça. Voilà, c'était ma petite astuce. Allez, je suis partie. Ciao!